c'est la question auditeur SMS. Stéphane, tu aurais pu être candidat de Pékin Express, nous demande Thierry. J'aurais été nul. C'est vrai, t'es pas sportif. Ouais, c'est, non, si, sportif, si, mais c'est super dur, vraiment. C'est quoi le plus dur en fait à Pékin Express? Le plus dur, c'est de bien d'avoir le moral à peu près à un bon niveau tout le long. Parce qu'à un moment, tu peux pas douter, quoi. Ouais, pas douter. Il y a eu des mecs qui gueulent, qui s'embrouillent. Tout le monde, non, mais tout le monde. On a tous nos moments down, que ce soit dans l'équipe, on est 120, que ce soit dans les candidats. Oh, c'est beaucoup. Ouais. Il y a 120. Toujours. Ouais, c'est une grosse machine. Qui gère ça, ouais, non, c'est Thierry Guillaume, producteur. Donc, c'est une grosse machine. Et donc, tous, à un moment ou à un autre, on pète un câble. Moi, le premier, hein. Moi, j'ai payé. Là, c'était à la frontière entre le Chili et l'Argentine. Et on a marre, on a envie de tout envoyer balader, etc. Et il faut passer le cap, quoi. 50 jours de tournage. Quand t'es candidat, tu peux abandonner. Ouais. Hein. Et faut s'accrocher. Oui, l'avantage, c'est que vous, dans la prod, vous n'avez pas que 1€ par jour, quoi. Ouais, non, tu rigoles, mais. Non, ils ont 2,50. C'est une production c'est M6, donc on fait un attention, ouais, voilà, c'est sûr. Ça. Donc, ça va. Mais... Comment ça se passe pour la sécurité? T'as un flingue ou parce que vous traversez comme des Alors, ça chelous, dépend hein. des pays. Là, en l'occurrence, nous, jamais. J'ai eu un garde du corps dans le Pékin 3 au Brésil. Franchement, c'était un peu exagéré. Alors qu'en Russie, j'en aurais peut-être eu besoin. En même temps, il y a des enlèvements. Voilà. On avait, sur certains pays, et c'est très rare, on a des gardes du corps pour qui sont pas très loin. Voilà. D'accord. Pas très loin, là, c'est 30 cm, quoi. Ouais, un peu plus, mais voilà, ils sont pas loin. Là, franchement, il y a un responsable de la sécurité, un seul, qui se débrouille, lui, voilà, qui va voir les flics locaux, tout ça, ça passe. Kalachnikov, mallette, voilà, grenade, aveuglante. Voilà, c'est un peu chaud. Et ce qu'il fait, c'est que le soir, il demande si tous les candidats dorment dans un endroit sûr, et si vraiment il sent que ça craint, on les met ailleurs. Merci Stéphane. Ina, tout de suite avec Hot dans le 6-9. On se retrouve avec Stéphane Rottenberg pour parler de Pékin Express. Juste après ça, bon réveil à tous. Fly like you do it.